C'est un fragment de code structural. On devrait chercher les autres. Je ne reviens pas qu'Odin et Freya aient été mariés. L'amour et la haine sont entremêlés bien plus que tu n'imagines. Vois-tu, Odin déteste les géants, et inversement. Mais la mère de Thor est pourtant la géante Fjörgyn, l'un des grands amours d'Odin. Donc Thor est mi-dieu, mi-géant? Wow! Une fois Fjörgyn parti, Odin vécut dans la solitude. Et alors que la guerre contre les Vannes faisait rage, je voyais bien ce qui se cachait derrière ses bravades. Et après d'âpres négociations, Freya finit par accepter. Dans un premier temps, le charme a vraiment opéré. Odin avait l'air heureux, et il semblait vouloir la rendre heureuse. Il a accédé à plus de ses souhaits que je ne pourrais en compter. La paix était durable, et j'ai vraiment cru que les choses s'étaient déroulées mieux encore que j'aurais pu le prévoir. Mais le véritable visage d'Odin refit bientôt surface. Oh, il gagna la confiance de Freya, et elle lui a appris une partie de la magie vanne, un autre choix qu'elle regretterait amèrement. Hélas, malgré les efforts de son sage conseiller pour le convaincre que la paix était le seul et unique moyen d'éviter le Ragnarok, Odin était toujours obsédé par Jotunheim. L'aperçu qu'il avait eu de la magie vanne l'avait amené à de nouvelles formes d'expérimentation et de dépravation. Sur cette plage. Waouh, il y en a deux et elles sont énormes. Pourquoi elles bougent pas? Il n'en reste plus.
Viens m'affronter, dieu du tonnerre! Les dieux n'ont que faire de tes appels, esprit. Ils ne t'écoutent pas. Ne raille pas mon désir de vengeance. Ma famille avait peut-être consacré sa vie à Vénérétor, mais j'ai consacré la mienne à sa chute. Et j'entends commencer par cette statue qui surplombe la tombe de mon père. J'en doute. Tu es mort. Est-ce qu'on peut vous aider? Moyennant récompense, bien sûr. Si vous abattez la statue, je vous autorise à piller la tombe de mon père. Il repose sur une île, à l'est. Pourquoi vous détestez autant Thor? Quand mon père est mort, ma mère a érigé cette statue pour veiller sur sa tombe. Imaginez notre surprise quand le dieu du tonnerre en personne est venu offrir ses condoléances. Au début, nous étions ravis. Mais rapidement, il a abusé de notre hospitalité. Ma mère l'a supplié de partir. Et Thor l'a tué dans un accès d'ivresse et de colère. Je suis resté seul avec mon chagrin. Et puis ma peine a disparu. Pour laisser place à la haine. Oh, je suis désolé. Viens, mon garçon. Nous avons une statue à détruire. La tombe de mon père se trouve sur une île, à l'est. Ne confondez pas la statue de Thor qu'a érigée ma mère avec cette horreur, au sud. Je ne trouverai pas le repos tant que l'assassin de ma mère surplombera la tombe de mon père. Ah!
Celui dont la mère a été tuée par Thor, qu'est-ce qu'il a? Que son histoire te serve de leçon. La vie des hommes n'a aucune valeur pour les dieux. Je sais, père. Tu sais. Mais est-ce que tu écoutes? Oui. Bien. D'accord. Le mariage entre Odin et Freya n'a pas duré. Mais pourquoi aller vivre en ermite dans les bois? Oh, c'était particulièrement cruel, même de la part d'Odin. Comme si le mariage n'était pas une punition suffisante. Il ne méritait pas une femme comme Freya. Elle a essuyé toutes sortes d'affronts au nom du maintien de la paix et de la sauvegarde de son peuple. Mais la folie d'Odin, sa tyrannie, l'usage corrompu qu'il faisait de sa magie, c'était plus qu'elle n'en pouvait supporter, et elle finit par le quitter. La colère d'Odin fut immense, et ses châtiments excédaient tout ce qu'elle aurait pu redouter. Mais sa magie était plus puissante que la sienne. Après tout ce temps passé près d'elle, il connaissait ses faiblesses et s'en servit pour lui jeter une malédiction qu'elle ne pourrait rompre. Oh, comme l'empêcher de quitter Midgard. Pire encore, il la priva de son esprit combatif. Freya ne put plus se battre, pas même pour se défendre. Elle ne put blesser aucun être vivant, ni par le fer, ni par la magie. Dans un monde si belliqueux, quel autre choix lui restait-il alors que la réclusion? Pauvre Freya. À sa place, je t'aurais craché dessus aussi. Oui, petit. Moi aussi.